Shalom à toutes à tous, on est très contents. Grâce à Midrash Youda Manitou, on retrouve le Rav Ethan Fison. On s'excuse, la semaine dernière, il n'y a pas eu de cours. Et cette semaine, tu veux toujours nous parler d'un rabbin sioniste et que tu as nommé de la graisse à la grâce, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Mais juste avant, j'ai vu passer, alors je ne sais pas si c'est Midrashet Yehuda qui organise, j'ai vu passer une soirée exceptionnelle avec le Rav Cherki, avec des soldats. Voilà, ouais, c'est moi qui organise après. C'est aujourd'hui? Ouais, ce soir, ce soir. Ah, c'est ce soir! Ah, C'est ce soir, c'est plus tard. c'est à quelle heure? C'est à 8h30, on commence. 8h30. Tor, il a fait mode. Très bien, très bien, très bien. Eh bien alors les amis, Erev Tov les Koulam, et on revient pour notre étude voilà sur les grands personnages qui ont remodelé, remasterisé la résurrection du peuple juif sur sa terre durant ces 150 dernières années. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui, je pense, qu'on peut le considérer aujourd'hui, s'il avait été un enfant aujourd'hui. Les professeurs dans les écoles, les directeurs, machin, lui auraient convoqué ses parents pour dire il faut absolument qu'il prenne de la Ritaline, celui-là. C'est pas possible. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui ADHD, ou alors en français hyperactif, ou alors HPI. Toutes ces symboliques qui disent qu'un enfant, il s'arrête jamais, et un adulte, il s'arrête jamais non plus. Eh bien, voilà, on va parler de cet homme qui ne s'arrêtait jamais. De la Grèce à la grâce, on parle justement d'un rabbin qui vient de Grèce. Qui vient de Grèce, sa famille vient de Rhodes. Alors lui-même, le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui, n'est pas né en Grèce, puisqu'il est déjà né à Jérusalem. C'est son père qui est marchand, qui s'appelle Caleb Meir. Il est marchand à Rhodes et c'est un grand point de passage, l'île de Rhodes, puisque tous les navires qui vont arriver vers l'Asie, eh bien, font halte sur l'île de Rhodes. Et donc, bah, il y a une grande communauté juive. Et il est connu, Caleb Meir. Pourquoi est-il connu? Eh bien, pour être le seul commerçant honnête de toute l'île. C'est-à-dire, tout le monde sait que quand on va chez lui, le prix, c'est le vrai prix, la qualité, c'est la qualité. Bekitsour, on peut se fier à ce bonhomme. Et il y a une rencontre qui va être décisive. Un juif qui est en voyage et qui donc s'arrête à Rhodes vient dans le magasin de Caleb. Il parle avec lui. Et effectivement, il dit, voilà, tu as une réputation incroyable. Nous sommes en 1900, d'ailleurs, en 1800, tu vois, 1855. Et donc, il lui dit, tu as une réputation incroyable. Tu es vraiment très honnête. Tout ce que tu dis, que tu fais, tu fais. Mais alors, comment ça se fait que tu dis trois fois par jour, Vetechezena? Alors, comment ça se fait que tu dis trois fois par jour, fais que nos yeux voient ton retour à Sion Berachamim? Comment tu fais pour dire l'an prochain à Jérusalem et tu es toujours à Rhodes? Et là, ben voilà, c'est où? C'est terminé. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il rentre chez lui et il dit à sa femme, chérie, fais tes bagages, on se barre. C'est parti, on fait l'alia et on vient à Jérusalem, si plus possible. Et effectivement, la famille Meir vient à Jérusalem. C'est un an plus tard que le petit Yaakov va naître dans cette famille de Jérusalem. Donc voilà, nous sommes devant le jeune Yaakov Meir. Et ce jeune Yaakov Meir qui grandit à Jérusalem à l'âge de 8 ans, sa maman l'amène au Kotel. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il va au Kotel, mais il témoignera, lui, que c'est la première fois qui a été significative pour lui au Kotel. Est-ce qu'il n'a pas été avant? J'en sais rien. Mais en tout cas, à 8 ans, il arrive au Kotel avec sa mère. Évidemment, le Kotel n'a plus rien à voir, enfin, n'a plus, non, n'a pas encore à voir avec le Kotel qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas d'esplanade, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'un petit mur, un tout petit mur. Vous savez qu'aujourd'hui, l'esplanade du Kotel, c'est 57 mètres de large.
Enfin, de long. Vous le voyez comme vous voulez, quoi. Le mur dehors qu'on connaît, auquel on va prier, c'est 57 mètres. Alors que vous savez qu'en vérité, le Kotel, à Ma'aravi, il fait 488 mètres. C'est-à-dire que l'esplanade qu'on voit, ce n'est que 10% du Kotel en vrai. Mais à l'époque du jeune Yaakov Meir, eh bien, nous avons un petit mur qui fait à peine une vingtaine de mètres. Et c'est un petit mur qui fait à peine une vingtaine de mètres, mais au-delà de ça, alors peut-être j'exagère, peut-être une trentaine, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'esplanade. C'est une toute petite enclave qui fait à peu près entre 3 et 4 mètres de large, et c'est tout. Et les gens vont prier là-bas. Il n'y a évidemment pas de méritza, et les gens vont prier. Et il arrive là-bas, le petit Yaakov Meir, et il va voir quelque chose d'incroyable. Ça va profondément le toucher et ça va surtout mettre en avant tout son idéal de vie future. Il arrive là-bas et il voit d'un côté des juifs hassidiques qui chantent en yiddish, enfin, qui chantent en hébreu, la tfila, mais avec une connotation, une prononciation, un accent yiddish. Il voit à côté des tchalmerim, c'est-à-dire des juifs de Jérusalem, des anciens élèves du Gaon de Vilna, qui chantent avec un autre accent et d'autres airs. Et puis il voit des juifs d'Afrique du Nord qui chantent avec d'autres airs. Puis il voit des juifs de Bagdad qui chantent avec d'autres airs et un autre style de chapeau, un tarbouche. Et puis il voit des juifs séfarades de Jérusalem qui chantent en judéo-arabe, en ladino. Il voit tous ces styles de juifs différents qui chantent. C'est la même tfila, on a la même heure. Et il dit qu'à ce moment-là, il a entendu une symphonie extraordinaire. Le fait que tous ces juifs chantaient ensemble la même tfila avec des airs différents, avec des prononciations différentes, c'était le son le plus mélodieux qu'il avait jamais entendu. Il le sait. À partir de ce moment-là, à l'âge de ses 8 ans, donc en 1864, il le sait. Il faudra l'unité du peuple juif pour réussir quoi que ce soit. Parce que cette harmonie-là et cette mélodie-là, eh bien, ça ne s'invente pas. Tom, il va rentrer en tant que Talmid Yeshiva à l'âge de 16 ans. Vous allez me dire, ça, c'est pas extraordinaire. Oui, c'est pas extraordinaire, sauf qu'il rentre à la Yeshiva Tamekoubalim Bethel. Il rentre dans la yeshiva des kabbalistes. Oui, excusez-moi du peu. Et donc, eh bien là-bas, il va étudier pendant quelques années. Enfin, quelques années. Il va étudier pendant 5 ans sans bouger des bancs de la yeshiva. Et à l'âge de 23 ans, à l'âge de 22 ans, l'âge de 22 ans, il va faire quelque chose. Il est déjà rabbin. Il enseigne déjà. Il continue à étudier Beyeshivat HaMekoubalim. Mais il commence à se faire un petit nom dans la vieille ville de Jérusalem. Il se balade dans la rue. Enfin, je ne sais pas s'il se balade ou il rentre chez lui. Mais en tout cas, il y a un élève plus jeune que lui qui vient le voir, qui arrive à le choper dans la rue juste avant qu'il rentre chez lui. Et lui disent, Rabbi, il faut venir voir ça, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Makara. Et le jeune l'emmène dans une petite ruelle où il y a là-bas une poubelle. Une grande poubelle. Et il dit, bah, regardez, et ça bouge dans la poubelle. On enlève la vague couverture qu'il y a là et il trouve deux jeunes enfants. Deux jeunes enfants, c'est leur maison. Ils habitent dans cette poubelle, mais ils n'ont nulle part où aller. Ils sont orphelins tous les deux. Ils sont frères, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas d'argent. Ils dorment dans la poubelle et de temps en temps, ils mangent avec ce que les gens jettent dans cette poubelle. À ce moment-là, le Rav Yaakov Meir, qui les sort de la poubelle évidemment et les ramène chez lui, il va leur donner à manger, il va leur donner un lit, ils vont dormir une nuit entière, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas dormi une nuit entière. Et pendant toute la nuit, le Rav Yaakov Meir réfléchit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et au petit matin, bah, la réponse, c'est évident. Et il se met à créer le premier Beth Yetomim, le premier orphelinat à Jérusalem. Le problème, c'est que l'orphelinat, c'est compliqué. Et il n'y a pas des grosses possibilités. Et donc, il va écrire à un homme qu'on connaît bien. Il va écrire au baron. Et le baron va prendre le projet de l'orphelinat à cœur.
et il va retaper l'orphelinat et en faire quelque chose d'énorme. Et c'est le fameux Beth-Amachasé, le fameux orphelinat qu'on peut trouver, le grand orphelinat qu'on peut trouver dans la vieille ville de Jérusalem. Qui l'a créé? Ben, c'est notre homme, le Rav Yaakov Meir. Un an plus tard, il s'attaque à un nouveau problème. On a dit qu'il était hyperactif. Un an plus tard, alors qu'il est toujours étudiant, mais rabbin et étudiant, il s'attaque à un nouveau problème. Et oui, il y a des gens à Jérusalem qui tombent malades. À l'époque, une chose est sûre, quand tu es malade, vaut mieux pas aller à l'hôpital. Puisque l'hôpital est un endroit qui est insalubre, un endroit qui est surpeuplé. Et puis c'est surtout un problème au niveau de la cache-route. Puisque c'est l'hôpital des Ottomans. J'avais dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais là, c'est l'hôpital des Ottomans. Et quand ils sont sympas, ils acceptent que tu fasses rentrer de la nourriture cachère. Mais la majorité du temps, soit tu manges, soit tu ne manges pas. Et à ce moment-là, le Rav Yaakov Meir prend une nouvelle décision. Il n'y a pas de problème. On va créer un hôpital juif. Ben oui, les amis. Vous avez entendu parler de l'hôpital Bikur Folim? Misgav Ladar, ça vous parle? Eh bien, les amis, quand on regarde dans l'entrée de l'hôpital, les pères fondateurs de l'hôpital, en premier lieu, vous avez Rabbi Yaakov Meir. Alors, ce n'est pas lui qui est marqué en premier parce que ce n'est pas lui qui a fait le chèque, mais l'instigateur du projet, le Rabbi Yaakov Meir, ont créé le premier hôpital juif à Jérusalem. Extraordinaire. Top, top. Bon, alors peut-être que maintenant qu'il a 23 ans, qu'il a créé un orphelinat, un hôpital, peut-être qu'il va pouvoir se poser 5 secondes. Oui, bien sûr. Il peut se poser un tout petit peu, mais il est maintenant reconnu, pas connu, mais reconnu par les autorités ottomanes que s'il y a quelque chose à gérer dans la communauté séfarade de Jérusalem, vers qui on va? Vers le Rav Yaakov Meir. Ça y est, il est maintenant le taulier, il est le dirigeant de la communauté séfarade de Jérusalem. Je vous rappelle, il a 23 ans. Mais tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime bien. Il est Talmid Chacham, il est Kharif, et il est sympatoche, et il est bon vivant. Et les gens, ils le kiffent. Et dès qu'il y a un problème, on va voir Rabbi Yaakov Meir, parce qu'on sait que lui, il gère les problèmes. Et les Turcs aussi. À ce moment-là, vient d'arriver en Israël un groupe. Un groupe de jeunes Olim Hadashim de Perse. Ils viennent, ils s'installent à Jérusalem. Mais ils ne peuvent même pas déballer leurs affaires. Au bout de 2 semaines, il y a un des commerçants ottomans qui vient se plaindre au Moshel, aux dirigeants de la région. Et il dit, ces nouveaux juifs, là, c'est n'importe quoi, ils n'ont pas de travail, ils vont être des parasites et machin. Et là, le gouverneur de Jérusalem, le pacha, va convoquer le Rav Yaakov Meir en lui disant, mais c'est quoi cette histoire de 50 juifs qui arrivent là de Perse? Aucun rapport. Je ne suis pas d'accord. Ce sont des parasites, hors de question qu'ils restent là. Tu es responsable de la communauté séfarade. C'est à toi d'aller leur dire et d'organiser leur départ. Dans 3 jours, il y aura des bateaux qui attendront à Yafo et ils devront tous être dedans. Ça va pas? Moi, je vais envoyer des juifs à l'extérieur, je vais les chasser derrière Israël, mais ça va pas? Très bien, monsieur le gouverneur, tout ira bien. Pendant 3 jours, il va aller voir d'abord le premier jour les juifs en question, en leur disant, dans 3 jours, on va vous emmener à Yafo. Et il ne dit rien d'autre. Et ils font leurs affaires et ils sont terrorisés. Le deuxième jour, il fait le tour des différents villages juifs entre Jérusalem et Yafo. Et le troisième jour, il va voir la communauté juive de Yafo. Il revient à Jérusalem et il aide tous les juifs à monter dans les charrettes, dans les diligences, direction Yafo. Et là, le convoi commence à avancer. Et au moment où le convoi est au milieu entre Jérusalem et Yafo, le Rav Yaakov Meir, qui lui est à cheval, eh bien, il va de chariot en chariot pour voir si tout va bien. Et à chaque chariot, il leur dit, au signal, soyez prêts. Mais qu'ils ne comprennent pas de quoi il parle. Au signal, soyez prêts. Et à un moment donné, vraiment comme dans un western, il y a un rondin de bois qui bloque la route. Et au moment où les chariots s'arrêtent au rondin de bois qui bloque la route,
Le Rav Yaakov Meir part au galop et va devant chaque chariot dire « Le signal, c'est maintenant! C'est maintenant! C'est maintenant! Fuyez !» Comment ça fuyez? Mais comment ça fuyez? Tout d'un coup, sortent des bois, sortent des pierres où ils pouvaient se cacher, des juifs qui viennent de tous les villages aux alentours et qui font un écran de fumée. Qu'est-ce que c'est un écran de fumée? Oui, maintenant la diligence va arriver à Yafo, mais ce sera le Balagan. Et pourquoi on a besoin du Balagan? Parce que lorsque la diligence arrive à Yafo, l'autre signal est donné. C'est quoi? Tous les juifs de Yafo arrivent et les juifs de la diligence, les 50 juifs perses, s'enfuient. Mais ils vont où? Ils vont être récupérés et cachés par les juifs de Yafo. Le Rav Yaakov Meir fait la dernière partie du plan. Il vient au port. Il y a un grand bateau qui est censé attendre les juifs pour les ramener en Perse. Sur le bateau, il y a un capitaine de bateau, mais ce capitaine est turc. Et le Rav Yaakov Meir connaît très bien les Turcs de ce moment-là. Il sort un grand sachet avec des pièces de monnaie. Il le donne dans la main du commandant du bateau qui va signer le formulaire comme quoi tous les juifs sont montés sur le bateau. Bakchich. Et c'est ainsi qu'au bout de 3 semaines, alors que les tensions se sont complètement calmées, eh bien, le Rav Yaakov Meir revient chercher tous les juifs et leur dit « Vous pouvez rentrer maintenant à Jérusalem. » Et résultat des courses, la communauté juive, ces nouveaux immigrants perses, reviennent à Jérusalem et font rester à Jérusalem et être prospères à Jérusalem. Bon, ben c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais n'oublions pas que notre jeune, je dis bien jeune, que notre jeune Yaakov Meir n'a pas encore 30 ans. Il a 26 ans, nous sommes en 1882. C'est l'époque de la première Aliyah. Oui, c'est cette année que vont arriver les Juifs du Yémen, les Juifs de Hongrie, de Roumanie. Mais lui, il a une autre mission. Il est envoyé comme Shadar. Mazé Shadar, Shlucha de Rabbanan. Il est envoyé en tant qu'émissaire de la communauté juive de Jérusalem à Boukhara. Boukhara. Tu connais Boukhara? C'est là-bas, au fin fond du monde. Oui, les Boukharim, vous connaissez les Juifs, Boukharim. Eh bien, il va là-bas, il va à Boukhara. Et là, les amis, bon, alors le voyage est très long. Et on est en hiver, et il fait très froid. Et sur le bateau qui va les amener à Istanbul, eh bien, il est avec d'autres Juifs. Et il a le Rav Yaakov Meir, parce que la communauté de Boukhara est une communauté riche. Et le but de Shadar, c'est d'être envoyé pour ramasser de l'argent pour les Juifs de Jérusalem. Et le Rav Yaakov Meir a avec lui des lettres. En fait, des lettres de recommandation de la part des rabbins connus de Jérusalem, les vieux rabbins connus de Jérusalem, disant, voilà, lui, c'est le Rav Yaakov Meir, faites tout ce qu'il demande. Et sur le bateau, il y a d'autres Juifs qui viennent le voir, qui lui disent, vous êtes le Rav Yaakov Meir? Oui. Vous êtes envoyé par les rabbins de Jérusalem? Oui. Vous allez demander à récolter de l'argent? Oui. Vous savez que vous êtes en train de nous mettre tous en danger, monsieur le rabbin? Dit comment ça? On va arriver dans le territoire russe. Parce que le chemin pour arriver à Boukhara, c'est de passer par le territoire russe. Les Russes et les Ottomans sont en guerre. Enfin, ils n'aiment pas beaucoup, quoi. Et si les autorités russes vous voient en possession de lettres qui demandent de l'argent pour les Turcs, parce que Israël, c'est turc, eh bien, ils vont vous accuser de rébellion et ils ne vont pas faire de différence entre vous et nous. Ce sera tous les Juifs à la même enseigne et on sera tous soit au mieux arrêtés, soit au pire massacrés. Et là, le Rav Yaakov Meir, qui n'avait aucune idée de la situation, prend une décision toute simple. Il dit « Leman Yerushalayim lo eshkot » Je ne me tairai pas pour Jérusalem, mais je ne vous mettrai pas non plus en danger. Il prend ses lettres, les déchire et les jette par-dessus bord. Mais personne ne le connaît. On n'est pas à l'heure des réseaux sociaux. Il n'y a pas de photo. Il ne peut pas dire « Salut, c'est moi ». Il va arriver maintenant là-bas. Il n'aura pas de voilà, il n'aura pas de preuve qu'il vient de Jérusalem. Pourquoi les gens lui donneraient de l'argent? Il arrive à Boukhara et là-bas,
Après 3 mois de voyage, il est reçu par la communauté. Parce qu'on reçoit un voyageur depuis longtemps, plus en hiver et tout. Il est reçu par la communauté et il va passer le premier Shabbat là-bas. Il arrive juste avant Shabbat et il passe le premier Shabbat tranquillement. Et à Motsaé Shabbat, il rassemble les responsables de la communauté pour se présenter. Il dit Shalom, shalom, je m'appelle Yaakov Meir, je suis envoyé par les rabbins de Jérusalem pour recevoir de l'argent. Et ils ont l'habitude, la communauté. Ils disent, OK, où sont tes lettres? Il dit, j'ai pas de lettres. Mes lettres, je les ai jetées par-dessus bord quand j'étais sur le bateau à cause des Russes. Ah ah! Oui, c'est une belle histoire, mais comment on sait que tu viens bien de Jérusalem? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait ce que tout amoureux fait. Oui, j'ai oublié de vous dire, il est amoureux de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous, messieurs. OK, les gens s'assoient. Et lui aussi va s'asseoir. Et il va commencer à raconter. Il leur raconte Jérusalem. Il leur décrit en détail. Vous connaissez, aujourd'hui, on a des lunettes 3D, on peut faire un séjour virtuel dans n'importe quel endroit du monde. Ben voilà, il leur dit, mets les lunettes 3D, je te fais le séjour virtuel à Jérusalem. Il dit, voilà. Tu rentres dans la vieille ville par la porte, et sur la porte, il y a un vendeur. Et quand tu vas, tu fais 2 pas, il vend des béguélés. Et quand tu fais encore 3 pas, il y a un vendeur de autre chose. Et là, tu tournes à droite dans la petite ruelle, et il y a le magasin de Shloimeh. Et Shloimeh, il vend des chaussures, il vend des lacets. Et quand tu avances, eh bien, ces lacets, ils sont toujours moches, parce qu'il y a toujours de la poussière par les diligences qui arrivent. Et là, tu vas là-bas, et là, il y a ce restaurant-là, et là, il y a ce marchand-là, et il y a le truc-là. Il décrit chaque pavé de Jérusalem. Et il en parle avec des yeux, avec des étoiles dedans. C'est même pas des étoiles dans les yeux, c'est les yeux dans les étoiles. Et tous les juifs de Boukhara, ils se mettent à pleurer. Et ils disent, c'est pas possible qu'il invente ça. Il connaît trop bien Jérusalem. C'est sûr que c'est un envoyé de Jérusalem. Et à ce moment-là, toute la communauté lui ouvre les bras. Toute la communauté lui ouvre les bras. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand il a fait halte en Russie, il envoie un message, il envoie une lettre au rabbin de Jérusalem leur disant qu'il a dû jeter ses lettres s'il pouvait en renvoyer. Et 2 semaines plus tard, alors que toute la communauté est déjà fan de ce jeune Yaakov Meir, ben la communauté reçoit une lettre disant « Vous venez de recevoir un rave extraordinaire, c'est le rave Yaakov Meir, faites tout ce qu'il dit. » Et les mecs, ils disent « On n'a pas besoin de la lettre. » À partir de maintenant, l'examen pour savoir si tu es un véritable envoyé de Jérusalem, c'est parle-nous de Jérusalem. Il va rester là-bas pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il va rester là-bas, il va faire une telle impression que pratiquement tous les enfants qui vont naître pendant ces 6 mois vont s'appeler Yaakov ou Meir. Extraordinaire. Il ramasse énormément d'argent, il revient à Jérusalem, tout va bien, on est content. Seulement, vu qu'il a été bon, eh ben, il est parti en 1882, il est revenu en 1883. Ben, 2 ans plus tard, en 1885, rebelote! Alors, pas Boukhara. Cette fois, il va dans un endroit peut-être que vous connaissez plus, qui s'appelle le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il part en Afrique du Nord! Mais attention, la mission n'est pas la même. Cette fois, il ne vient pas demander de l'argent aux Juifs du Maroc, pour une raison très simple. Ben, ils n'en ont pas! Donc, ce n'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Eh bien, on vient chercher des juifs. Et il va commencer à motiver les juifs marocains, algériens, tunisiens, les juifs du Maghreb, de venir en Eretz Israël. Vous voyez pas qu'il y a 200 juifs qui partent avec lui? Chose qu'on n'avait jamais vue à l'époque. Bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. T'aimes bien te balader, t'aimes bien ramener des juifs. Peut-être tu peux te poser maintenant. Il revient en Eretz Israël. Et lorsqu'il revient en Israël, il se dit, mais attends, j'ai ramené plein de juifs, moi. Où est-ce qu'on va les mettre? On a commencé la sortie des murailles. Il y a déjà le quartier de Mishkenot Sha'ananim et de Yamin Moshe qui a été créé. Ouais. Enfin non, c'est ce que je raconte, de Mishkenot Sha'ananim seulement. Qui va aider à créer Yamin Moshe? Ben, vous commencez à comprendre. Le Rav, Yaakov, Meir. Mais il ne s'arrête pas là. Il va créer 2 autres quartiers. Un qui s'appelle Ezrat Israël, à côté de Mea Shearim, et un autre qui s'appelle Shrounat Abou Kharim. Eh oui, tout ça
C'est le Rav Yaakov Meir. Comment il arrive à créer le quartier des Boukharim? Parce qu'un Boukhara, tout le monde le connaît. C'est une star maintenant. Donc non seulement il crée un orphelinat, en plus il crée un hôpital, en plus il devient la star internationale d'une des plus grandes communautés de ce moment-là, il réussit à faire venir des juifs en Israël, il construit des quartiers d'habitation en Israël. Bon, ben ça va, c'est bon! Tu peux t'arrêter maintenant peut-être! Choum s'arrêter, Rabotaï. En 1889, il va à Yafo et il dit, ça ne va pas du tout ce qui se passe à Yafo. Comment ça? Il y en a marre d'avoir des communautés ashkénazes et communautés séfarades. Vous vous rappelez de ses 8 ans quand il était au Kotel? Il dit à Yafo, qui est une nouvelle communauté juive, et à ce moment-là, on est déjà sorti de Yafo. Enfin, on pense à partir à construire Neve Tzedek. Il va y avoir Tel Aviv dans 2 secondes. Donc il dit, il faut un seul rabbin à Yafo. À Jérusalem, c'est peine perdue. Ça ne marchera pas à Jérusalem. Parce que les communautés ashkénazes séparades sont ancrées depuis trop longtemps. Mais vous, vous n'avez pas encore ces problèmes-là. Il n'y aura qu'un seul rabbin à Yafo. Mais les amis, il n'y a qu'un seul rabbin dans toutes les villes d'Israël. Il n'y a que à Jérusalem où il y a un grand rabbin ashkénaze et un grand rabbin séparade. Parce que le Rav Yaakov Meir, pour lui, c'est Ichoud HaKehilot. Et lorsqu'il revient à Jérusalem, il a un grand problème. Parce qu'il est au courant qu'il y a un homme, un arabe, qui a pris, il habite en face du tombeau de Shimon HaTzadik. Vous connaissez un quartier qui s'appelle Sheikh Jarrah? Chas v'shalom. Il s'appelle Shimon HaTzadik, ce quartier. Il a été acheté par les Juifs. Mais il y a un arabe qui habite là-bas et qui s'est approprié tout le terrain autour de la Mehara de Shimon HaTzadik et qui a mis un grand char barzel, un grand portail en fer avec un cadenas énorme. Et si les Juifs veulent aller prier, ils doivent payer. Comment? Le Rav Yaakov Meir, il entend ça? Il vient sur place? Il dit non, mais il est pas bien le mec. C'est à nous. On l'a payé. Mais il est fou. Il dit, on va faire quelque chose. Il rassemble 30 jeunes bahourim. Et il vient devant la porte. Il dit, quoi, Rav, on va payer pour aller prier? Il dit, mais ça ne va pas la tête. On ouvre la porte. Il dit, mais on n'arrivera jamais à péter ce cadenas-là. Il est trop, trop fort. Il dit, ah, on n'arrivera pas à péter le cadenas. Pas de problème, je ne vous ai pas amené pour péter un cadenas. Allez, on fait 2 groupes de 15. OK, on fait quoi? Vous vous mettez chaque groupe devant une porte. OK, et on fait quoi? Ben, vous la soulevez. Vous avez vu Rabbi Jacob? Le taxi? Eh bien, on soulève les portes du cadenas, du vieux truc, la vieille barrière qu'il a mis en place, l'arabe. On les sort de leurs gonds. Et une fois qu'elles sont sorties des gonds, ben, le cadenas, il ne tient plus rien. Et ils prennent les deux portes. Chaque 15 mecs, ils prennent une porte énorme. Et il dit maintenant, on va aller les déposer juste devant sa maison. Et le mec, il est sur sa terrasse et il les voit. Et le Rav Yaakov Meir, il lui dit, souviens-toi de Shimshon qui a pris les portes de Gaza et qui les a amenées à Hebron. Et il pose ses portes devant l'entrée de sa maison. Elles sont tellement lourdes qu'il ne pourra pas sortir de sa maison pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il ait retrouvé des gens pour enlever les portes. Et à ce moment-là, il dit, oula! Ce juif-là, il ne faut pas se prendre la tête avec lui. Il est complètement malade. Et effectivement, il est complètement malade. Sauf qu'il est tellement malade qu'à un moment donné, il a une idée folle. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'avoir inventé l'école? C'était ce sacré Charlemagne. Bon, ça, c'est la chanson. Mais ce n'est pas du tout vrai. À l'école, vous savez ce qu'on apprend? On apprend ben, les langues. Moi, je me rappelle, en France, on nous a appris le français. Donc, en Israël, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, le yiddish, évidemment, pour les Ashkénazes, ou alors le judéo-arabe, ou alors le ladino. C'est bien mal connaître notre rabbin. Le Rav Yaakov Meir va créer un organisme. Il en est le patron. Avec un autre rabbin qui s'appelle le Rav Zev Yavetz, ils vont décider de construire une organisation qui a pour rôle de réapprendre l'hébreu. Cette organisation, elle s'appelle
Elle est créée en 1890 et elle s'appelle Safa Berura. Safa Berura. C'est pas mal. Alors, le nom entier, c'est Safa Berura, l'Étriate à Safa et Ivrite. Donc, la langue claire pour la résurrection de la langue hébraïque. Mais attendez 2 secondes. Si je vous avais demandé avant le cours, c'est qui est celui qui a ressuscité la langue hébraïque? Vous m'aurez dit, il y a Eliezer Ben Yehuda, évidemment. Oui, parce que le Rav Yaakov Meir, il n'a pas le temps de faire le boulot. Il a créé Safa Berura. L'idée est là et il va employer un jeune homme qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda pour faire le travail, parce que c'est sa passion aussi. Donc ça veut dire que oui, Eliezer Ben Yehuda a ramené l'hébreu, mais il travaillait pour qui? Pour le Rav Yaakov Meir. D'ailleurs, Eliezer Ben Yehuda travaille sur son dictionnaire, mais le Rav Yaakov Meir n'est pas en vacances. C'est lui qui va dans toutes les yeshivot où on étudie en yiddish ou en arabe, en judéo-arabe ou en ladino. Il parle les 3 langues sans aucun problème. Et donc, il va aller convaincre les yeshivot qu'on doit apprendre à parler en hébreu. Et le début de la résurrection au sein des yeshivot du parler en hébreu, c'est le Rav Yaakov Meir. Bon, bah écoutez, je ne sais plus quoi vous dire là. S'arrête pas le bonhomme. Ouais, il s'arrête pas, mais là, il a une période où il s'arrête. Il s'arrête pourquoi? Parce qu'il devient un des rabbins de Jérusalem à temps plein. Sauf qu'en 1907, il est envoyé. Ah non, attendez, pas pour moi, oula, oula, j'ai oublié, oula, oula. Quand il vient d'être nommé rabbin à Jérusalem, donc on est en 1894, il fait une rencontre. Il y a un jeune homme, la vingtaine, tout bien pesé, qui arrive avec son bateau. Il est amiral. Non, on n'aurait pas dit bonhomme parce que tous les. Hein, vous avez déjà entendu? Ah, vous avez déjà entendu ça? Ah oui, du Rav Yavetz. Nachon, c'est vrai, tout à fait. Ben, Rav Yavetz, il était avec le Rav Yaakov Meir. Exactement, exactement. Ah, là, il y en a qui suivent, c'est fantastique, c'est incroyable, on ne peut même plus dire de bêtises. C'est fou. En tout cas, finalement, donc j'ai dit en 94, il fait une rencontre. Il y a un homme qui est sur son bateau, il vient d'accoster à Yafo, et il veut arriver à Jérusalem. Bon, il n'est pas juif, hein, il est chrétien, mais il veut venir voir Jérusalem. Bah, chrétien, Jérusalem, c'est logique. Attention, je vais éternuer. Voilà, comme ça s'est fait. Et donc, ce mec-là, cet amiral de bateau britannique, un bateau commerçant, hein, de marchandises, il arrive à Jérusalem et il ne comprend pas, il y a une effervescence dans la ville, ça court dans tous les sens. Alors il ne comprend pas, mais oui, c'est normal, il vient d'arriver l'après-midi du 14 Nissan. Ce soir, c'est Pessah. Bon, ben, autant vous dire que les Juifs, ils ne lui parlent pas trop. Ils sont tous occupés, machin. Mais dans la rue, il y a le Rav Yaakov Meir. Et il voit cet homme-là qui manifestement est un peu paumé. Et donc il lui dit, bah, tu sais quoi, viens, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et il l'invite chez lui à la maison. Après, vous allez me dire, on n'a pas le droit d'inviter un goy pendant Yom Tov. Hein? Et pendant le Seder, encore moins. Achod, tous les rabbins ils disent qu'on n'a pas le droit, et tous les rabbins ils trouvent un moyen pour permettre. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il l'invite chez lui. Et alors là, il est émerveillé, il est subjugué par le récit de la Haggadah, que d'ailleurs le Rav Yaakov Meir va traduire également en anglais. Il est subjugué. Moïse, l'ouverture de la mer Rouge, machin, c'est incroyable. C'est sa meilleure soirée. Le lendemain, il repart et c'est parti, le Rav Yaakov Meir fait sa vie. Il a été sympa avec un amiral de la flotte britannique. Le fait est que les gens, la vie continue. Donc on a dit, les rabbins à Jérusalem marchent. Ah, tu crois là, t'as oui. Tu vois? Dis-moi, c'est une blague. Donne-moi ça tout de suite. Tout de suite. Merci beaucoup. Et tu fais ce que le moment t'a dit tout de suite. Il faut vraiment que on te punisse tout le temps. Allez, au dodo. D'accord. Dès que j'ai fini le chiot, tu es puni. Ok, tu ne veux pas écouter, tant pis pour toi.
Est-ce que vous croyez que ma menace va marcher? Je n'ai pas été assez convaincant, vous dites. Bon, très bien, on verra. Sheila! Tout de suite. La poigne. Voilà. Bon, Bekitsour, il est rabbin d'un, on a dit, à Jérusalem, et en 1907, la plus grande communauté d'Europe l'appelle pour devenir le rabbin de la communauté. C'est qui cette communauté? La communauté de Salonique, en Grèce. Ils disent, tu viens de chez nous, tes parents, machin, viens. Et il accepte. Et il devient le rabbin de Salonique. Il part en Shliroute pendant 10 ans. Et là, là-bas, il fait des miracles. C'est-à-dire qu'il redore la communauté comme jamais. Truc de fou. Et au bout de 10 ans, il veut repartir. Il ne sait pas comment, qui que quoi qu'est-ce. Il y a un énorme incendie qui se déclare à Salonique, qui va brûler une grande partie de la synagogue, de la bibliothèque, de ses écrits, et il prend ça comme étant un signe de Ribono shel Olam. Il veut qu'il rentre à Jérusalem. Il rentre donc en Israël en 1917. 1917. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1917? C'est bizarre. La même année, il y a une petite déclaration qui va avoir lieu. Alors, il n'est pas directement impliqué dans la déclaration. Mais vous vous rappelez notre amiral britannique? Eh bien, notre amiral britannique, il était amiral à 20 ans. C'est quand même bizarre. Pourquoi t'es amiral si jeune? Ben, je suis amiral parce que je suis le prince de la maison d'Angleterre. Alors, j'ai aucune chance d'arriver au trône puisque je suis troisième dans la liste de succession. Mais tous les princes qui ne vont pas être amenés à régner, ils ont des postes importants dans l'administration. Donc, amiral de la marine, c'est important. Sauf que, ben, juste avant la Première Guerre mondiale, il se trouve que mon père y meurt et que mes deux frères meurent également. Ce n'était pas du tout prévu, mais je deviens roi d'Angleterre. Je m'appelle Georges, numéro 5. Oui, ce n'était pas un hôtel, c'est un monsieur. Et ben, tout d'un coup, cette soirée qu'il a passée en compagnie du Rav Yaakov Meir, eh bien, lorsqu'il fait appeler Lord Balfour pour préparer la déclaration Balfour, il lui dit, les Juifs méritent de retrouver leur patrie ancestrale. C'est ce qu'ils disent le soir de Pâques avec une foi extrême. Comment il le sait? Ben parce qu'il a passé la soirée du Seder chez le Rav Yaakov Meir. Tu sais pas comment Dieu il tourne les choses, hein? Les amis, en 1921, il y a un autre rabbin qui est à Jérusalem, qui était le rabbin de Yafo, puisque le Rav Yaakov Meir avait fait en sorte qu'il n'y avait qu'un seul rabbin à Yafo. Et ce rabbin de Yafo, qui lui aussi était parti pendant un temps en Europe, coincé pendant la guerre, revient en Israël et va créer le grand rabbinat d'Israël. Oui, vous le connaissez, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Et le Rav Cook comprend que c'est trop tôt pour créer un grand rabbinat avec un seul rabbin. Il y a trop de différences entre Ashkenaz et Sfarad à ce moment-là. Et donc, il dit, il faut un grand rabbin Sfarad. Évidemment, qui il va chercher pour devenir le premier grand rabbin d'Israël Sfarad, le premier Rishon LeZion, mais pas que de Jérusalem, mais de tout Israël. Ben, évidemment, vous aurez compris. Il va chercher le Rav Yaakov Meir. Et les amis, ce n'est pas plus compliqué que ça, hein. Son dernier grand coup d'éclat, il le fait en 1930. En 1930, après le pogrom de Hebron, il est le premier à revenir et à renvoyer des Juifs habiter Hebron. Alors que les autorités juives leur déconseillent, leur interdisent, leur disent c'est pas possible, eh bien, il va remettre en place le Yishuv juif à Hebron. Ça tiendra jusqu'au nouveau pogrom de 1936. Et là, après, il faudra attendre pour le coup l'État d'Israël, tout ça, tout ça, tout ça. Mais la résurrection du village, du quartier juif de Hebron. Arav Yaakov Meir.
Rav Yaakov Meir ne verra pas la création de l'État d'Israël. Il décédera en 1939. Et dans les dernières années de sa vie, il sera plus diminué, il devra marcher avec une canne, il aura du mal à se déplacer. Et donc, il restera plus statique, mais il continuera à influencer énormément la résurrection du peuple juif. Et lors de de sa levaya, eh bien, c'est pour la première fois la rue Yafo de Jérusalem entière, noire de monde. Et alors, c'est pas la première fois qu'il y a un rabbin qui est amené par énormément de gens, mais c'est la première fois que c'est un rabbin qui est emmené par des Ashkénazes, des Séfarades, des Chassidim, des Litaïm, des tout le monde. Parce qu'il était le rabbin de tout le monde, qui a été le rabbin hyperactif, qui a remis en place l'honneur et la grâce du peuple d'Israël. Rav Yaakov Meir, de la Grèce à la grâce. Erev Tov, Lekoulam! S'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à retrouver ce soir la très belle conférence. Je n'ai pas tout suivi. Je sais qu'il y a Rav Cherki, il y a Yoann Knafo, mon ami, qui revient de Gaza. Voilà, à vous de jouer, les gars. Chazak ou Baruch. Erev Tov.